En chemin de traverse ce mois-ci, nous allons à Lanriais, près de Concarneau. Une rencontre sur la pierre et le fer a rassemblé de nombreuses spécialités. La recyclerie brestoise Un peu d'air a plusieurs objectifs économiques et aussi sociaux avec son atelier d'insertion. Nous étions à la finale sélective des tréteaux chantants de la communauté de communes du pays de Lisnevin et des Côtes des Légendes. L'IPSO, l'Institut de formation santé de l'Ouest, fête ce mois-ci ses 30 ans de présence à Landerneau. À Pluynec, la vallée de Tréhousien accueille un moulin à eau qui vient d'être entièrement rénové. Jean-Yves André, passionné d'archéologie, est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Mégalithe du Léon, de la rade de Brest à la baie de Morlaix ». C'est dans Chemin de Traverse, mercredi 11 novembre à 18h30 sur TBO.